truc. Donc là, il est 8h50, on repart de Carquefou, je viens de charger. Et je vide demain matin, normalement, rendez-vous à Saint-Vulbas à 5h du matin pour vider. Donc on verra bien. Est-ce que tu vas me laisser passer ou pas, toi? Oui. Sans, ça ne rime à rien de forcé. Hein. Merci, là, la DS3. Et donc là, on descend par Poitiers, tout ça, quoi. Donc ça a été pas trop mal pour charger ce matin. À part qu'il m'avait donné, il était à rendez-vous à 7h, c'était fermé. Donc je suis arrivé à 7h, c'était fermé. Sur internet c'était marqué 7h30, donc je suis retourné voir à 7h30 parce que forcément tu n'avais pas la place de te garer ni à côté et rien. Et 7h30 c'était toujours fermé et ça a ouvert à 8h. Bon, je me suis mis à la caisse, c'était 8h, ils étaient en train de boire le café quand je suis arrivé. Ils ont attaqué à 8h15, à 8h50 je suis reparti, donc ça a été pas trop mal non plus quoi. Et maintenant il n'y a plus qu'à redescendre, donc là je vais redescendre par Poitiers, Poitiers quoi. Trottinette en pleine route. J'ai 28 tonnes 700 encore de charge. Souvent on me le demande en commentaire et j'oublie, c'est vrai que j'oublie tout le temps de le dire en fait. Voilà. Ouais, tout le temps, j'oublie souvent de le dire. Il a fait craquer la boîte, j'ai entendu depuis là, je sais pas si vous avez entendu, mais... Je sais pas que c'est. C'est une boîte de vitesse. Ah, le camp s'est encore bien agrandi là. Hein. Bien longtemps qu'ils les avaient déménagés, je crois même.
coupé là, hein. Il n'y a plus rien, ils ont tout coupé ce coup là. En fait, l'arrière soir, on peut la reprendre que dans ce sens là, on peut pas sortir comme on faisait avant. Je sais pas ce qu'ils sont en train de foutre, mais vieux mon gars. Ouais. Il y a des pelles dans tous les sens. On va descendre au dépôt, je vais arriver au dépôt, j'aurai 8h30 de volant, donc je vais couper au dépôt. Et il faut que je vide demain matin à Saint-Vulbas, je sais encore pas l'heure. Parce que Vincent devait me rappeler, mais il m'a pas rappelé, donc je vais le voir au bureau, on s'y ira plus vite. Parce que sur les papiers, moi j'ai rendez-vous 5h et lui me dit que non, donc j'aurais bien ne pas y aller à 5h, partir à 2h du matin pour pas vider quoi. Donc je vais voir avec lui exactement. Et puis voilà, donc demain je sais déjà où je recharge juste à côté hein, en fait. Je fais deux ramasses dans la même rue, à Saint-Vulbas, je vide à Saint-Vulbas. Je fais deux ramasses dans Saint-Vulbas et après je file à côté de Yona à recharger un lot. Et après bah, retour dépôt quoi. Et ça ira bien pour la semaine. Hein. Dire, il vient personne en face, c'est bizarre sur la RCA qu'il vienne personne, mais je sais pas ce qu'ils font là. Souder l'armature du pont. Allez. Donc là, il est 5h55. Et je viens de finir de vider, et là, je vais aller me garer parce qu'il faut que j'attende 8h pour recharger.
Je recharge juste à côté, pas loin là, donc faut d'ailleurs que je regarde où je vais, mais. Ah si, je crois que je l'ai mis dans le GPS en fait, ça. Ouais, je recharge à. Je suis à 2,7 km d'où je recharge. Et je recharge à 8 heures. Donc voilà, ça va faire 2 heures de coupure. Voilà, ça a été pas trop mal quoi, je suis arrivé à 5h-10, 5h05 il me faisait rentrer et là 5h56 je m'en vais. Incomplet. Entre la ceinture parce que le bip bip. J'ai pas mis la ceinture tout simplement, c'est que là pour ressortir il faut descendre au poste de garde pour ouvrir les portes pour prouver que la remorque est bien vide. Donc pas grand monde à ça là, ça va bien. Toi, tu vas jusqu'au poste de garde avec la remorque ouverte. Comment flinguer les portes, regardez bien en face là. Il n'y a rien de tel pour flinguer des portes et des gonds de portes quoi. Surtout qu'il y a des beaux ralentisseurs. Donc ça met des bonnes secousses dans les portes. Ah bon, les Smith c'est pas fait pour rouler les portes ouvertes. Hein. Pour rouler 2 mètres ou 10 mètres, mais quand tu commences à faire des ralentisseurs avec les portes ouvertes, en général, ça y aime pas trop. Hein. Bon allez, je vous reprends après, je vais aller voir le gardien. Donc là, il est 7h50 et je m'en vais de ma première ramasse et je vais à la deuxième. Je suis juste à côté normalement. Je suis en train de vérifier l'adresse. Hop, hop, hop. Alors, hop, on continue. Alors, hop. Normalement, je suis pas loin. De toute façon, c'est la même commune. Donc, hop, avenue. Ouais, c'est vraiment pas loin, je suis à 200 mètres. Et puis bah, je vais compléter et après je vais dans le 01 mais de l'autre bout vers du côté d'Oyonnax. Donc voilà, pour le moment ça va pas trop mal. Là, ça se trouve à 8h30 je suis chargé à Saint-Vulbas et après plus qu'à aller à Oyonnax. Allez, je vous reprends après. Et donc là il est 8h exactement, 8h38. Et je viens de charger mon deuxième client à Saint-Vulbas. Et là, je vais au troisième à Oyonnax. Donc voilà, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Putain, ils sont garés n'importe comment, les gens. Faut... Et puis voilà. Direction où il y en a, donc faut que je prenne par là, à mon avis. Voilà, et après on va charger. J'espère que je vais pouvoir charger assez vite parce que normalement il faudrait que je fasse une 13 et 11 aujourd'hui. Ce serait quand même bien. Bon, on verra bien. De toute façon, Pierre-Vincent viendra me chercher, mais bon, fait chier quoi. J'espère que ça va charger vite, comme ça je redescends et puis on n'en parle plus quoi. Et j'ai besoin de personne surtout. Alors on est reparti, là on part de Saint-Vulbas et on va à Oyonnax. Et je viens de regarder, j'en suis à 1h en gros quoi, parce que le GPS il me fait passer des routes qu'il connaît, que je connais même pas, qui existent même pas. On va reprendre des grands axes au lieu de prendre les chemins de terre qui sont interdits aux poids lourds. Et là, là je suis dans le pré là. Ah non, il m'a trouvé en fait, non c'est bon, je suis plus dans le pré. Et puis on va charger là-bas, on va compléter là-bas et après on va redescendre, donc on verra. Là je suis 1h, donc ça me fait aller 10h moins le quart, je suis là-bas, 10h, temps de charger 11h, si tout va bien. On verra bien, de toute façon. Il n'y a pas trop le choix.
Mais c'est marrant, je voyais plus loin que ça. Il y en a de Saint-Vulbas, puis non, en fait, c'est pas loin, quoi. Putain, que t'as pu lever le gars. J'en ai déjà vu coucher des pulvés, donc je sais ce que ça fait. Pas moi, mais d'anciennement boutique. Pleine de lin. Ouais, c'est bien plat en attendant. Ouais, le mieux c'est choper l'autoroute et puis reprendre l'autoroute, hein, puis voilà. Allez, je vous reprends après. Allez, on a chargé. Là, je viens de repartir d'Oyonnax il y a 20 minutes, hein, déjà. J'ai chargé. Enfin, ils sont chargés quand même. Bah ouais, j'ai incroyable, quoi. Ouais. Incroyable le temps d'y passer pour c'est même pas 6 mètres de plancher, quoi, toi. 6 mètres de plancher. Bon, bah tu rentres. Ouais. Attal. Attal. Ok, alors c'est là. 4 30 m'endormir serein avec des paillettes dans les yeux. Je voulais faire disparaître mes cernes, mes sentiments et mes yeux bleus. Je sais que la vie sera longue quand toutes les heures j'en enlève deux. Je sais aussi que voir en doute provoque des sensations sérieuses. Tout ça pour une histoire ou pour un jour particulier. Vivre dans un conte plein d'espoir, s'en ridicule et l'assumer. Recoller les morceaux, corriger les ratures, s'entraîner pour un slow, écrire dans la voiture. La nuit par conseil, je veux des conseils pas comme les autres. Si mes idées devaient subir, que mes idées deviennent les vôtres. Alors j'irai boire un verre, faire des rencontres à la volée. Me pleurer le cœur sur la main avec des couleurs au poignet. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies. Oh oh. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie. De retenir le temps pour mieux préparer la suite. Je rêve de préparer la suite à condition de vivre longtemps. Tout ça pour perdre le fil, plus savoir vraiment où aller. Tout ça pour prendre la tête, au final aller me coucher. Attiré par la nuit, par ma louve qui m'attend. On doit réparer son lit, tout oublier un court instant. Elle m'invite à danser à deux, on retourne l'appartement. Je regarde ses yeux dans la fumée, j'enlève ses doutes et ses vêtements. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies. Wow.
ceux qui ont de la rancœur, ceux qui se lèvent tôt pour voir l'amour, qui n'arrive jamais à l'heure. Il est 5h, ma muse se réveille, je pense qu'elle a mal à la tête. Elle a des problèmes de mémoire, c'est quand elle chante que tout s'arrête. En plus de ça, rajoute la pluie qui frappe fort sur la fenêtre. Elle est belle et transparente, elle est froide, elle est parfaite. Elle panique quand elle approche, du mal à suivre les pulsations. Tout est rapide, mon cœur s'emballe, je respire pour l'accélération. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie, wow. C'est comme ça un peu toutes les nuits. Je prends le sommeil et le fantasme. C'est mon cerveau qui décide de toutes ces histoires qui s'entassent. Un peu d'amour, un peu d'envie, un peu de haine et jalousie. Un peu d'espoir, un peu de magie, un peu de colère, de nostalgie. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies, wow. Loin de moi, et j'oublie, wow. Et il pleut, et il tombe, il s'ennuie, wow. Et elle pense, et elle pense, et elle aime à la folie. Allez, on a chargé, là je viens de repartir d'Oyonnax il y a 20 minutes hein, déjà. 20 minutes. Et puis on rentre direction le dépôt. Hein, donc, et hein, du col de Seigne à 2000 mètres. Donc là ça grimpe hein, par contre. Hein. Et puis voilà. Donc là lundi je pars avec. En fait j'ai fait 3 ramasses mais j'ai 2 clients. Bressuire et. Et après dans le 85, je sais plus non. Voilà, donc une bonne semaine. Là, je suis à 2944 km et je suis à 150 km du dépôt. Donc, ça va faire un 3100 quoi, en gros. 3100, ouais. Et quasi que de la nationale cette semaine. Hein. Donc, c'est pas trop mal, je trouve. Une bonne semaine et là pressé de rentrer. Gendarmerie nationale. Voilà le seul endroit de ma vie où je me suis fait, non c'est deux endroits où je me suis fait tailler la bâche, donc c'est ici au col de Seigne dans l'autre sens quand tu vas à la totale en fait. Et au centre routier à Moulins, les deux fois de ma vie où je me suis fait tailler la bâche. Toujours de la neige là. En même temps là on est dans le. C'est le Haut-Bugey, c'est ça hein, je crois, le col de Seigne. Ouais, Haut-Bugey. Ah oui, air du Haut-Bugey. Facile Laurent. Là, il y a les gendarmes qui viennent de nous doubler. Et après, la descente, elle est à 70 pour les camions. Donc ça, c'est leur grand jeu. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je me suis déjà fait flasher, là, donc on va se détendre. Je sais pas si, pour ceux qui ont suivi, une fois en live, j'en parlais, je m'étais fait prendre au radar très vite. Bah d'ailleurs j'ai jamais rien reçu mais j'ai eu de la chance de chez chance parce que j'étais beaucoup trop vite en voiture hein, perso. Et en fait ils mettaient toujours le radar au même endroit. Donc moi je savais, donc vu que je travaillais à la Clusaz, c'était la route que je faisais régulièrement. Et puis ben sauf que ben, on était beaucoup sûrement à faire comme moi et à réaccélérer après. Donc ce jour là ben, ils ont mis deux radars l'un derrière l'autre. Donc le premier j'ai ralenti et le deuxième il m'a flashé. Mais j'ai jamais rien reçu et heureusement, mais alors heureusement. Parce que là, c'était retrait de permis sur le champ. Hein. Même en 2000.
Ce serait maintenant, maintenant dans 50 km/h, ça serait du genre, mais à l'époque c'était pas ça. Et j'étais vraiment, mais vraiment vite, bah vite. De toute façon, 3h du matin, c'était, il n'y avait personne. Bon, ça excuse pas tout, hein, mais bon. T'es jeune. Un jeune délinquant de la route. Et je suis à 80. Une fois il m'en arrivait une aussi dans la montée là, j'ai cru jamais monter la côte. En fait ma remorque était mal chargée, était limite un peu plus de poids sur l'essieu arrière que sur le tracteur et il s'est mis à neiger. Et ben je vous dire que j'ai galéré pour monter. Franchement, je faisais pas le malin un jour là d'ailleurs. Et en fait il m'avait mal chargé la remorque. Donc voilà. Sur le plat ça allait, et là je sais pas ce qu'il y avait. Bon, en même temps il neigeait un peu donc forcément ça rage pas. Mais je peux vous dire que je faisais pas le malin. Quand tu te mets à patiner en montée comme ça, en pleine montée. Là t'es sur l'autoroute, hein, donc pour faire demi-tour. Mais bon ça a fini par monter. Donc j'ai monté mes suspensions, la remorque à fond pour basculer le poids de tout le poids sur le tracteur et baisser le tracteur en fait. Pour rouler avec le tracteur en bas et la remorque en haut. Comme ça ça met le poids dessus sur la sellette. Donc voilà, et c'est exactement là que je me suis fait flasher la deuxième fois. Et l'autre, il est en train de te doubler, il est en train de me doubler. Sauf qu'ils se mettent en bas aussi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. J'ai une connerie. Il s'était mis là-bas le premier et le deuxième était là, justement. Le premier était dans le virage où ils se mettent, où ils se mettent d'habitude. Et le deuxième, il était là. Donc en pleine ligne droite en plus. Et puis voilà, donc là, bon, on descend. Bah, Mâcon, RCEA, RCEA, Digoin, Maison. Ça ira bien pour cette semaine. Les chevaux. Ah, il y en a partout, j'avais pas vu. Allez. La semaine, j'ai 3074, je vais avoir 3110 km une fois arrivé au dépôt, donc ça fait une bonne semaine. Je suis à 80, je vais être à 84 heures sur 15 jours, et voilà. Donc voilà, ça fait des bonnes semaines. Il n'y a eu rien de particulier, non, je réfléchis, non. Si, je tenais à remercier tous les gens qui étaient présents hier sur le live. Ça fait toujours plaisir d'être toujours aussi nombreux. Et même de plus en plus. Franchement, puis toujours dans la bonne ambiance, quoi. Franchement, c'est top. J'adore moi les lives. Si je pouvais en faire plus, j'en ferais même plus. Mais c'est un peu compliqué. Mais je pense que je vais essayer d'en faire plus. Affaire à suivre. Donc là, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Parce que de toute façon, il n'y aura rien de plus intéressant. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, vlog, tuto, j'en sais pas encore.
Et surtout, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et d'aller faire un tour sur ma boutique, ça me ferait très très plaisir. Et sur Hangar 71 aussi. Allez, ciao, bye bye.